Hello tout le monde, vidéo fun, double Ouginac contre double Chouk. Yes. Allez, on perd pas de temps, on va faire ce combat. Première fois qu'on va faire deux fois le même boss en un combat. N'importe quoi, en vrai. Tac. Alors, je vais prendre la Ferrari. Tac. Alors, c'est un chouk qui s'est rajouté sur un chouk. Donc, certainement dû. Sûr que c'est un bug, quoi. Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, c'est un cas impossible, mais vous pouvez le faire avec uniquement la redistrib. Ankama a fait que c'est impossible d'avoir deux boss d'un coup, mais la redistrib n'est pas prise en compte. Donc en gros, ce qui se passe, on va dire le bug, mais après c'est pas vraiment un truc de ouf à exploiter, enfin c'est de la merde quoi. C'est qu'en gros, si vous faites redistrib et que il y a le même boss qui tombe sur les ajouts possibles, bah ce boss là quoi. Voilà. Mais bon, vous pouvez vite vous retrouver en double chaleuil, double vortex. T'étais retrouvé en double torqué, ouais. Ouais, je me suis retrouvé en double torquelonia. Bon, j'ai pas lancé le combat, mais imaginez tous les boss en x2, c'est un peu nimp. Après, il y a rien de, enfin, il y a rien de plus. Hein. C'est juste un combat fun, quoi. Ouais. Genre là, si j'avais pas, ah non, non, du coup, les deux sont TP. Ouais, les deux sont TP. Ouais, les deux sont TP. Ça va, heureusement que c'est chouk. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme boss hardcore en doublon? Tinryl, ouais, Tinryl. Ouais, Tinryl, ça doit être une plaie. Bon, après, la pesanteur, ça passe. Hein. Ouais, mais bon. Après, ouais, c'est un Tinryl qui dégage la Taraxie. C'est un peu chaud. C'est moins oui. Je vois pas d'autres boss. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à en mettre en commentaire, là on va continuer à réfléchir. Double mais... servitude, les gens. Ouais, voilà, avec les mécréants là, oh, laisse tomber. Aïe aïe aïe. Putain, c'est mécréant. Là c'est par mécréante. Là vous passez au-dessus du niveau hardcore en fait. C'est... J'avoue. Après double vortex, bon au final les boss à vague, il n'y aura pas 16 mobs dans le combat quoi, c'est... Bah, ouf, on va dire. Mais par contre, double chaleuil, ça doit être horrible, hein. Vraiment horrible. Là, par exemple, je vois double Nidas, je me dis que c'est quand même gérable. Double reine des voleurs, est-ce qu'il y a deux fois des bombes? Tu vois? Il y a ça, j'avoue. Par exemple. Ouais. Ouais. Bah, n'hésitez pas, les gars. Si pour le fun, faites des redistribs, faites-nous savoir en commentaire. Le meilleur doublon atypique. Sur quoi vous êtes tombé? Yes. Donc il y a double torqué, là on a eu double chouk. On va voir s'il y a d'autres quoi. Ah, les petits screens. Yes. On a mis longtemps à buter ces chouks avec les TP là. Ouais, en fait ils nous mettent un peu l'état poisse du SRAM à l'époque où bah tu peux pas script, tu peux rien faire quoi, tu fais le G minimum. Mm. Mais bon, en vrai, c'est un tuto songe, mais c'est pas vraiment un tuto songe, quoi. C'est plus admirer, admirer ce double chou. Ouais, c'est un petit combat fun. Hop là. Bon, bah voilà. Je vais tuer cette larve. Oui. Voilà. Au moment où on parle, au moment où on parle, il y a bientôt la mâche Pandala qui va sortir. Yes. Est-ce que la vidéo sortira après la mâche Pandala, on sait pas, mais en tout cas, au moment où on parle, c'est on affrontera peut-être les nouveaux boss. Yes, bah oui. Dans les songes. C'est sûr. Bon, au final, on s'attendait à ce qu'il y ait des items sur le gros rush des 10 000 coffres, des nouveaux items légendes. Mais bon, pas prévu. Ouais, bah moi, je m'y attendais vu qu'ils avaient annoncé que c'était en plusieurs parties.
coup, forcément, les gros items, ça va forcément être sur des items de sang. Donc, ce sera pour fin d'année, peut-être. Yes. Bah voilà, les gars, petit combat terminé. Quelque chose à ajouter? Ouais, merci pour tout. Tout soutien, en tout cas, on voit que vous êtes nombreux quand même à participer dans l'espace commentaire. Et puis nous, on essaye vraiment d'être actifs, comme on a pu le dire auparavant. Et puis, bah, merci pour tout. Hein. On a lancé ce projet-là durant le confinement et on s'est dit, bah, vas-y, hein, go, pourquoi pas. Et finalement, on est quand même archi hypé de le faire. On essaie de maintenir le cap des, enfin, le rythme des une vidéo par jour. Et pour le moment, ça se passe plutôt bien, même si par moment c'est quand même compliqué, mais. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous faire savoir si ça vous plaît vraiment en espace commentaire comme d'autres ont pu le faire. Et puis voilà. Et toi? Ouais, bah nous, ça fait très plaisir. Il y a d'autres trucs qui vont arriver. Des trucs bien fun avec la guilde, ça nous fait kiffer. Et on va vous faire partager ça, ça va être bien drôle. Yes, yes, yes. Et puis quoi, hein, de toute façon, il y aura. Enfin, c'est une chaîne vraiment dédiée à notre groupe, quoi. Et on essaye d'avancer plus loin et puis garder une trace, quoi, de notre passé sur le jeu, on va dire. Et puis à l'avenir, hein, quand il y aura des nouveaux jeux en Kama ou autre, on sera là, quoi. On yes. sera là. Donc voilà. Allez, merci, on se dit à la prochaine, les gars. Portez-vous bien. Et salut. Tchou tchou.